Jean-Jules Moulin, Gaec de la Dentelière, situé à Saint-Geur, en association avec mon frère, Gaec à deux donc, en production vache allaitante, porc charcutier et de l'entreprise à côté. Donc on est situé à Saint-Geur, à 1000 mètres d'altitude, sur une SAU de 130 hectares, on a 60 mères limousines. Je me suis installé en 2008 avec mon père qui était en vache laitière. J'ai amené un troupeau allaitant, donc on a commencé la limousine là. On est parti avec une dizaine de mères limousine qui venaient de l'ISVT, de Codelia, un troupeau de Codelia, en Haute-Loire. Et puis on est parti sur cette génétique. Mon père a pris la retraite en 2020, donc mon frère il a pris la place. On a arrêté les vaches laitières et on a continué à monter le troupeau jusqu'à 60 mères aujourd'hui. On est en production broutard, quelques taureaux en reproduction, du moins de vente de taureaux. Génisse grasse pour déboucher. Aujourd'hui, on a 60 mères, plus les génisses qu'on insémine, donc entre 60 et 65 inséminations. Donc aujourd'hui, en schéma de sélection, on travaille avec un technicien. On prend les taureaux du catalogue, plus celui du GE Lima Avenir 43. La période de reproduction, on attaque début novembre, et ça s'étale dans l'hiver, pour essayer de faire des vélages fin août, septembre, essayer de regrouper au maximum. On est parti en 100% insémination pour permettre de mieux valoriser nos produits, de mieux choisir nos taureaux par rapport à nos vaches, à nos génisses, et pour avoir une sélection meilleure pour plus tard. Au niveau des inséminations, on est à peu près à 90% de réussite en première IA. J'ai investi il y a 3 ans sur le SenseHub. J'ai investi avec 60 colliers pour mettre sur toutes les vaches et génisses qu'on met à la reproduction. J'ai investi là-dedans, c'était pour me gagner du temps pour détecter les chaleurs, pour mieux les voir et gagner en performance au niveau des inséminations. Ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à la simplification de la surveillance du troupeau. Parce que sur le SenseHub, on voit les vaches qui sont en chaleur, on voit celles qui ne sont pas venues en chaleur. Vu que c'est tout relié par rapport à XR Pro et BoviClick, ça remonte tout en... c'est tout synchronisé. Grâce au SenseHub, j'ai pu diminuer mon IVV et mes taux de réussite en première IA. Aujourd'hui, je recommande le SenseHub parce qu'aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas m'en passer. J'ai trop pris l'habitude de... travailler avec, ça donne un indice de plus et c'est surtout pour le suivi du troupeau, tu vois tout ton troupeau en rien de temps quoi.